Voilà, là vous devriez m'entendre maintenant. Bonjour du coup à tout le monde, hein? Bonjour, bonjour. Parfait, ça m'en... c'est bon, on m'entend. Je vais couper le son de mon côté. Hop, voilà. Bon, bonjour à tous du coup pour ce stream qui va pas durer extrêmement longtemps en fin de compte puisque j'ai déjà donc fait des petites recherches de mon côté. Le carré noir, c'est normal. C'est la caméra de mon téléphone que j'utilise avec Droidcam. Pour vous montrer du coup bah, la console hein, en elle-même. Console qui donc a un petit souci technique assez grave en quelque sorte, même si bon ça reste réparable, mais je vais pas pouvoir le faire dans ce stream. Je vous le dis direct, la tentative ne pourra pas être faite, nous ne pourrons pas la réparer, aujourd'hui en tout cas, puisque le problème est hardware, hein. Il n'est pas software, il est hardware. Alors, je vais vous donc retourner sur l'annonce de la console, sur le bon coin, pour vous montrer exactement ce qu'elle avait. Le bon coin, hop, je vais vous montrer donc l'annonce de la console. Donc, hop, Nintendo Switch Semi HS. Donc, c'est une console qui est donc effectivement HS, qui coûtait normalement 120 euros, que j'ai chopé pour 98 euros, avec un petit peu de négociation, donc elle est toujours là. On peut voir donc sur ces images une console, qui avait d'ailleurs une petite rayure ici, un peu de saleté, mais bon, ça allait. On peut aussi, bon. Elle était aussi sur le eBay, elle a été retirée d'eBay. Le port pour tout ce qui est en rapport à la ventilation est un peu abîmé. Autre souci, il manque le port cachette, enfin le cache pour le carte SD. Sinon, par ça, elle est un peu dégueulasse, mais ça fait encore le taf. Et surtout, on sait qu'elle pouvait lancer EKT, qui est donc un hack pour la console. Et d'après l'annonce, la console ne démord pas, mais elle est reconnue en RCM. Ce qui n'est pas mon cas, elle n'est pas reconnue en RCM à partir du PC. Je ne peux pas la démarrer depuis le mode RCM. Donc impossible de la démarrer tout court. Je vais vous montrer hein, de toute manière. Donc voilà, le mec dit qu'elle est reconnue par un ordinateur, ce n'est pas mon cas. Je retourne sur le stream. Alors, trop bien, j'adore l'hardware. Ah bah moi c'est pas mon cas, j'adore pas trop l'hardware parce que je suis pas très compétent dans ce domaine. Je suis plus software de mon côté. Et donc j'ai pas les. De toute façon j'ai pas le matériel pour la réparer. Parce qu'il me faudrait des tournevis Tri-Wing, je n'ai pas ce qu'il faut. En tout cas, bon, bienvenue du coup à Gatrog, bienvenue à Sam, bienvenue à Meggy sur le stream. Encore une fois, le stream va pas durer extrêmement longtemps. Si vous avez des questions sur le hack de la console, si vous voulez hacker votre propre console, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous aiderai sur Twitter si vous voulez. Ou sur Discord, l'un ou l'autre. Mes deux réseaux fonctionnent. Donc GamerZoria pour moi. Vous voyez que je me fais MP d'ailleurs par rapport à cela. Mince, le son. Hop, je vais donc là, voilà, regarde sur FX sur Amazon. Ouais, mais j'ai pas très envie de payer du matos, sachant que j'ai des camarades, des amis des amis véritables, véritables, des amis en dehors de YouTube qui ont ce matériel. Donc je vais pas acheter du matos pour démonter la console alors que des amis l'ont. Je verrai bien, vendredi je vais justement chez une de ces personnes et on verra si on arrive à la démonter. Ce que je voudrais faire, donc je vais vous montrer de toute façon la console avant. Ce que je voudrais c'est démonter la console et enlever et remettre la batterie. Donc, effectivement, qu'est-ce que la console a? Parce que depuis tout à l'heure je vous dis elle a un problème, effectivement elle a un problème. Je vais pas pouvoir voir vos commentaires pendant quelques minutes parce que je vais devoir vous montrer la console. Je vais agrandir du coup le retour de la caméra qui va devenir plus important. Hop, ça sera un peu flou, je suis désolé. C'est pas prévu pour ça à la base. Ce logiciel n'est pas prévu pour ça à la base, donc je vais faire comme je peux. Voilà. Alors, la console. Elle est juste ici. Elle est là, la console. Elle ne démarre donc effectivement pas. J'appuie sur Power hein, si je veux. Hop. Voilà. J'appuie sur Power. Il ne se passe rien. Elle ne démarre pas. Elle est branchée sur le secteur directement de la console, le vrai secteur officiel, mais il ne se passe rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher la console. Je vais remettre le câble d'alimentation sur le dock. Alors, excusez-moi, vous allez voir du noir pendant quelques minutes. Parce qu'il faut bien que je puisse brancher la console. Hop, enfin le dock, enfin voilà quoi. Voilà, le dock est branché. Hop, le dock est actuellement branché. Je remets la console sur le dock. Si j'arrive à bien cadrer. Et voilà, on peut voir que le dock réagit extrêmement mal avec la console. Mais ce n'est pas le dock qui a un problème. Pourquoi? Je dis que le dock n'a zéro souci. Mince. Hop. Parce que donc ma
Véritable Switch, la mienne, ma officielle. Je la mets sur le dock. Si j'y arrive. Ah, pas le bon sens. Le dock est pas dans le bon sens. Voilà. Voilà. Et là, si j'allume la console. Parfait. Aucun souci. Contrairement à celle-ci. Ici, je la branche. Clignote à l'infini. Donc déjà, on peut voir quand même qu'il y a un petit souci quand même technique sur cette console qui donc du coup ne fonctionne absolument pas du tout. Impossible de la charger. Du tout. Hop, je vais retourner sur mon setup. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? T'es partout toi? Tu stream avec OBS, il clignote? Oui, je stream avec OBS. Il clignote? Oui, donc du coup, voilà, le dock clignote. Et donc, impossible de faire quoi que ce soit avec cette console pour le moment. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Parce que du coup, dans l'annonce, c'est indiqué qu'elle peut démarrer en RCM. On a pu voir qu'avec le dock, elle clignote à l'infini. Bon. Je vais donc brancher un câble USB-C que j'utilise pour la mienne, pour ma Switch, sur la Switch patchée. C'est pas grave si vous voyez ma tronche, hein, je me suis déjà montré publiquement, c'est pas un problème. Hop, voilà. Elle est là. Le câble est branché et tout. Je vais donc démarrer un petit logiciel que beaucoup de hackers sur Switch connaissent. Je vais verrouiller aussi mon écran parce que c'est chiant de le déplacer pour rien. Voilà. Ajouter. Est-ce qu'il est démarré? Ajouter fenêtre. Fenêtre 3. Donc non, je vais pas montrer ma musique, je vais vous montrer. C'est pas ça. Ça. Voilà. Le petit logiciel Tegra RCM Geek qui permet de lancer le hack de la console. On t'a tous vu, oui, je sais, c'est pas grave. Si vous me voyez, c'est pas grave du tout. Donc, on peut voir qu'actuellement, TigreSN dit no RCM, ce qui n'est pas normal. Hein? Je vous préviens, ce n'est pas normal, vous allez vite comprendre. Pour lancer le mode RCM, il faut qu'on utilise. Alors, encore une fois, j'ai pas le retour de ma cam, c'est pas terrible. Voilà, il faut utiliser ça. Je vais déplacer un peu la cam pour voir vos commentaires, en fait, ce serait plutôt intéressant. Oui, je suis pas habillé, hein, pour info. Vous voyez, je pense. Hop, j'ai fait ça un peu à la main. En mode. Bordélique. Moi, j'ai ce truc-là. C'est un RCM loader. On peut le brancher à la console et lancer le hack. Mais moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est pas lancer le hack à l'aide du RCM loader. De toute façon, ça marchera pas. C'est. Hop, c'est ceci qui est sur le RCM loader. Ça s'appelle un jig, c'est un trombone qui est intégré dans un bout de gabarit. On met le jig sur le rail droit. Donc justement, ça a un gabarit pour rentrer comme si c'était un Joy-Con. Hop, il est mis. Et normalement, si la console est non patchée, enfin même si elle est patchée, si on fait plus et power, sur Tegra RCN, donc là, on devrait avoir le message RCM OK. Or, j'appuie plus et power, il ne se passe strictement rien. Et l'ordi ne réagit pas non plus. Ce qui veut dire que la Switch ne veut même pas se mettre en RCM. Alors, à votre avis, quel serait ce souci? Eh bien, en vérité, moi, je me suis un peu informé sur Internet de d'où vient ce problème de Joy-Con, enfin, de Joy-Con, de LED vert jaune qui clignote à l'infini. Cette console n'est pas briquée, en fin de compte. On sait, enfin, même le vendeur s'est trompé dans toute la nuit, elle n'est pas briquée. En vérité, ce qui se passe, si les boutons fonctionnent, c'est pas un souci, puisque sinon l'utilisateur d'origine, donc le mec sur le bon coin, n'aurait pas réussi à démarrer cela. Cela ne démarre qu'à s'il fait plus ses power. Donc la console, c'est sûr et certain, elle a des boutons fonctionnels. Et moi, je sais vraiment d'où vient le problème. En vérité, la console a été mise en auto-RCM. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans le jargon du hack switch. La console se remet tout le temps en RCM à chaque démarrage. Ça permet donc de lancer le hack sans utiliser ce truc-là. Ou un trombone. Ou n'importe quel objet, genre un papier aluminium, ça fonctionne aussi. Elle démarra toujours en RCM. Mais, autre détail intéressant, l'auto-RCM ne permet pas de recharger la console. Si la console est en RCM, on ne peut pas la recharger. Et si la console est complètement déchargée en auto-RCM, on ne peut plus recharger la console. Le truc que vous avez vu tout à l'heure, le LED jaune qui clignote à l'infini, ça veut dire que la console tente de démarrer, mais elle n'y arrive pas. Ça veut aussi dire qu'elle n'a pas de batterie. Ça veut dire deux choses, ce message, cette LED jaune. Donc cette console a actuellement une batterie qui ne fonctionne pas.
Elle est complètement vide. Alors, elle fonctionne peut-être toujours, elle a peut-être encore moyen de la réparer. Mais pour le moment, en tout cas, elle ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'elle n'arrive, on n'arrive même pas à la détecter sur SCM Loader. Si on n'arrive pas à la faire fonctionner sur TGRSM, elle n'a plus de batterie. Et impossible de la faire fonctionner. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je ne pourrai pas la réparer aujourd'hui, cette console. Car je n'ai pas le matériel adéquat pour la démonter et la réparer. Je n'ai pas les tournevis compatibles. Je vais aller chez un ami vendredi pour la réparer. Hop. Je vais chez un ami vendredi pour la réparer. Mais pour le moment, en tout cas, je n'ai pas le matos nécessaire. T'as un sur Discord. Je suis sur Twitter et Discord. Je suis actif pour réparer et démonter les aides. Enfin, je fais du aide sur le hack de la Nintendo Switch. Mais je m'occupe pas que la Switch, je m'occupe aussi de la 3DS, de la Wii U. Bref, si vous avez besoin d'aide, effectivement, je suis sur Discord. Je vais vous donner le lien, de toute façon, si vous voulez. Si vous voulez aussi de l'aide sur Twitter, c'est possible. Hop, je rangerai mon RCM Loader après. Du coup, attendez, je vais vous donner l'invitation du Discord. Si vous avez votre invitation temporaire, hein, bien sûr. Jamais illimité. Hop. Bien sûr, c'est temporaire. Coller un texte brut, hop, voilà. Si vous voulez rejoindre mon Discord Nintendo Switch Project, vous pouvez. On est là pour aider, c'est le but. Sur le Hack Switch, on est là pour tout le temps aider les gens sur Discord. Eh bien, si vous voulez, on pourra faire une visio, il n'y a aucun souci par rapport à ça. J'aurai du matos vendredi de toute manière, parce que je vais chez une connaissance qui a un tournevis Tri-Wing. De son côté. Alors il l'avait acheté pour la 3DS, mais je crois que ça fonctionne sur Switch, je l'espère. Donc si je me souviens bien, alors je vais peut-être mettre un peu de lumière, ceci on verra pas. Hop. Donc si je me trompe pas, normalement pour démonter une Nintendo Switch, si je me souviens bien, on a des vis qui sont sur les quatre côtés. Une là, on la voit, c'est un peu flou, mais on la voit. Il y en a une qui est ici. Là je mets mon doigt. Ah, voilà. Ici on a une là, on en a une ici. Alors on la voit pas bien, mais elle est là. Une là tout au fond, ici, et une là. Une fois que ces quatre vis sont enlevées, il faut aussi enlever les quatre vis sur le rail. Ah, voilà. Et les quatre vis qui sont ici, aussi sur le rail gauche. Et pour finir, on en a deux à enlever là, deux à enlever en haut, et une à enlever sur le port carte SD. Après, il faudra enlever le coque. Il faudra enlever le port carte SD et il faudra enlever la protection plastique avec les 5 vis qui sont, je crois, ici, 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 ici et une au milieu. Si je me souviens bien, c'est comme ça qu'on démonte une Switch. Et après, il suffira d'enlever le connecteur de la batterie. D'après mes souvenirs, c'est comme ça qu'on fait. Après, encore une fois, j'ai pas le matos donc. Avec le pack thermique. Pour le pack de console hackée, je conseille le pack Deepsea pour l'instant. Deepsea, voilà, je vous le conseille, c'est le pack qui remplace Cosmos aujourd'hui. Par contre, elle a des petites rayures la console. Hein. La pauvre, elle a pris très cher que ça fait longtemps. Mince. Alors qu'à côté de ça, donc la mienne, elle fonctionne parfaitement. Hop, on peut voir, voilà, elle est parfaite, hein, elle fonctionne. Et si je lance le Umbro Launcher, voilà, parfaitement, pas de soucis, aucun problème. J'ai pas les Joy-Con, si, j'en ai un Joy-Con là. Hop. Bonjour toi. On peut voir que bien sûr le Umbro Launcher se lance bel et bien. Je vais juste mettre le Joy-Con pour quitter le HBL. Voilà. Je vais le retirer. Donc voilà, pas de soucis, cette console fonctionne parfaitement. Hop! Alors après, voilà, je suis pas un pro en hardware. T'as un contrôle parental? Oui, j'ai un contrôle parental. C'était pour préparer ma future vidéo sur comment péter un contrôle parental à partir du prod info et du call 0. Donc la dernière technique qui est sortie en 8.0.0. Hein, vous le savez, il faut dumper le call 0, récupérer l'identifiant qu'il faudra ensuite récupérer à partir de ce logiciel-là. HXD, on récupère l'inquiry number à partir de ça. Ouvrir, est-ce que j'en ai un d'exemple? De call 0. Ah, une menace antivirus, je verrai plus tard ce que c'est. Je sais pas si j'ai un call 0 d'exemple. Je pense pas que j'ai de call 0 d'exemple. Si, j'ai un prod info. Prod info, hop. Et dans on a plein de valeurs. Et on a ce truc là. Je sais pas si vous le verrez. Attendez.
Voilà, on a cette information ici, et c'est ça qu'il faut récupérer pour péter le contrôle parental de force. C'est pour ça que j'ai un contrôle parental. Tu as eu un new PC? Pas encore, je l'ai pas encore reçu, le nouveau PC. Un nouveau PC à 938 euros, je pense, avec une RTX et compagnie. Je pense que ça fera le taf pour les streams et les vidéos. J'attends de l'avoir. Moi, j'arrive toujours pas avec. On t'a juste expliqué en gros, mon père a mis mon contrôle parental, mais le contrôle depuis un smartphone. J'ai jamais mis le contrôle parental à partir d'un smartphone. En revanche, je sais qu'il y aura une maintenance demain sur le contrôle parental. Hop, Nintendo. Hop, on va aller sur le site de Nintendo par rapport aux maintenances online. Et on peut voir qu'il y a effectivement des maintenances sur les serveurs de Nintendo. La maintenance du contrôle parental, je crois que c'était ce matin. Voir les maintenances effectuées normalement. Oui, voilà. Il y a eu une maintenance ce matin sur Android et iOS, mardi 21, de 6h du matin à 6h57. Contre le contrôle parental. Hop, je vais intervenir juste pour des virus qui n'existent pas, parce que c'est effectivement des faux positifs. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Bonjour à toi Nagasaki, bienvenue sur le stream. T'arrives un peu tard, je viens de finir de tout expliquer du coup. Voilà, bah, je sais pas trop quoi dire de plus. Hein. Ma Switch, malheureusement, enfin, la Switch que j'ai achetée, donc 98 euros, pour rappel, a coûté 120 euros d'origine. Je l'ai rabaissé à 98 parce qu'on ne fait jamais confiance à des objets achetés d'occasion. Toujours essayer de baisser les prix, surtout pour de l'occasion. Et bah j'ai bien fait parce que du coup, là, elle démarre pas du tout en fait. Alors, comment je vais faire. Alors. Déjà, encore une fois, je suis pas pro hardware, je vais pas chou. Donc, moi, j'ai pas les connaissances pour mettre une puce. La puce coûte 60 euros et je n'ai pas de switch patché. Je ne peux donc pas vous montrer comment faire une vidéo. Je peux pas vous faire de vidéo de comment pucer une puce. J'en ai pas. Je n'ai pas de switch patché, donc je ne peux pas le faire. Voilà. Si, alors, autre chose que je voulais dire, puisque en plus vous êtes beaucoup pour ce stream, pour une fois, d'habitude je suis du 2-3 personnes et encore. Si dans le 53, moi j'habite dans le 53, si vous avez des connaissances pour le démontage de console Nintendo Switch, n'hésitez pas à me le dire sur Discord ou sur Twitter encore une fois, et je verrai pour voir si je peux pas venir chez vous, contre rétribution, et donc payer une réparation de la console. Du moment que ça coûte pas non plus 300 euros. Ce serait quand même un peu le comble vu que c'est le prix de la console. La puce est sortie. Oui, le SX Core et le SX Lite sont sortis. Tu peux aller sur 3D Slinker ou sur d'autres sites pour payer la puce. Je te le conseille en tout cas puisque la Team Executor se fait un peu bolosser par Nintendo en ce moment. Je te conseille d'avoir la news sur Logic Sunrise. Ah, dans le 69, il faut sauter un peu loin. Tu vas y remédier comment du coup? Bah écoute, vendredi, voilà, je vais chez un ami qui a le matériel pour, on va essayer d'enlever et remettre la batterie. Sinon, j'ai un autre ami que j'irai voir peut-être plus tard, qui habite à 30 minutes de chez moi, qui lui a déjà démonté sa console pour mettre une puce. Alors, c'est pas le même type de puce, c'est le Trinket M0. Attends. Et bah, pour l'instant, je sais pas s'il va pouvoir m'aider pour la réparation de cette console. Voilà, ça fait 20 minutes que nous sommes en stream. Je pense avoir tout dit. Je referai sûrement une vidéo ou un stream plus tard si j'ai des nouvelles de cette console. Je referai, ouais, je referai sûrement une vidéo de toute façon pour vous informer des nouveautés de cette console. Peut-être vendredi, je pense, du coup. Et puis voilà, on verra bien si on arrive à la faire fonctionner. Ce serait dommage, c'est une e-patchée donc elle est hackable. Hein. Et bah, malheureusement, auto-RCM oblige, elle ne fonctionne plus. Voilà, allez, je vous laisse du coup. Je vous recommande d'aller sur mon Discord. Encore une fois, je vous donne le lien. Si vous voulez venir sur mon Discord, vous venez et je vous aiderai sur le hack de votre Switch. Et si vous avez des conseils pour moi, n'hésitez pas.